plus créatif. On ne change pas grand-chose. Non, c'est des matchs à part, bien sûr, de championnat, même si ça fait un moment qu'on n'a pas connu de match de championnat. Mais c'est des matchs avec lesquels on a beaucoup d'envie de jouer. Face à des belles équipes, on m'a posé la même question, bien sûr, à chaque fois. Et j'avais dit, quand vous rentrez en demi-finale, il n'y a pas de petite équipe. Mais par contre, c'est des grands matchs à jouer pour les joueurs et à vivre pour les entraîneurs. Je ne connais pas de match facile. Si vous en connaissez, j'en ai jamais connu dans ma carrière en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ça n'existe pas. Après, on sait ce qu'a fait Berkane. On sait où on va jouer. Okay. Donc, si on se réfère à ça, si on se qualifie, ça sera un exploit. On est là pour faire un exploit. Voilà, on a un peu gâché à l'aller, mais ça c'est le passé, on ne vit pas avec le passé. À nous d'être lucides et être conquérants ici, on va avoir affaire à une belle équipe. Ça je le sais, très physique, qui met beaucoup d'impact. On est au courant. Voilà, maintenant à nous d'avoir de faire les bons choix. Dans la zone défensive et puis dans la zone offensive aussi. On n'a pas de pression supplémentaire. De toute façon, la pression, on va dire, elle fait partie de notre métier. À nous de l'accepter et de la transformer en pression positive. C'est le but d'un footballeur, ne pas avoir peur, ne pas se cacher. C'est ce que j'attends de mes joueurs. Merci.